présente un DIY. Oui, on a réalisé une horloge holo. Holographique. Ouh, c'est beau, hein? C'est très beau. C'est réalisé à base de CD. Des vieux CD que vous avez à la maison. Puis, il y a différentes teintes de CD. Il y a des CD qui sont mauves. Il y en a qui sont turquoise. Il y en a qui sont teintés verts. Puis, ben, c'est d'aller chercher des couleurs qui fit avec vos décors. Vous les découpez un peu n'importe comment, de la façon que vous voulez. Et vous les collez. Là, on a choisi une horloge, mais ça aurait pu être un sous-verre, un miroir, un cadre. Puis la beauté de la chose, c'est que on n'a pas besoin de faire ça parfait, vraiment. Nous, quand on a coupé les CD, on trouvait que c'était tout croche. Mais finalement, un coup collé, ça, c'est ça qui fait la beauté de la chose. C'est ce qui fait beau, que c'est tout pas égal. Après ça, on les colle, on va vous montrer comment. Tout d'abord, ça vous prend des CD, une horloge ou l'objet de votre choix. Pour la colle, nous, on a choisi de la colle blanche. De la peinture de votre choix, on a pris de la peinture acrylique blanche. Des ciseaux pour couper vos CD. Et le nombre de pinceaux que vous voulez. Tout d'abord, on peinture notre objet pour le rendre uniforme. Par la suite, il suffit de découper les CD et de les coller directement sur l'objet de votre choix. C'est simple, hein? C'est quand même très facile. N'importe qui peut réaliser ça, même deux blondes futées. Si vous réalisez un objet avec des CD, taguez-nous sur Instagram. On va vous mettre nos comptes Instagram dans la barre d'informations. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Marianne et moi, on a une foule d'idées pour les prochaines vidéos. Donc, si vous voulez suivre notre contenu, abonnez-vous. Mettez un petit pouce en l'air. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Rendu bas? Tu me dis, on va les écouter, ça va être chier. Non, mais ça, ça veut de l'air bon, on écoute-tu? Ouais, mais on l'entendra pas. Ouais, mais dans l'ordi.